Et coucou tout le monde! Voilà, c'est le retour de Pissereau le Gargon. J'ai envie de faire du 2, mais il faudrait d'abord que je fasse le 1. J'ai envie de faire le 2, mais je vais d'abord faire le 1. J'ai très envie de jouer au 2, c'est terrible. Alors j'ai lancé un stream comme ça, sans prévenir personne, complètement à l'arrache. Mais c'est pas grave. L'aventure continue. C'est vrai que j'aurais dû lancer le jeu plus tôt. Je savais pas encore auquel j'allais jouer. Alors. Alors. Oups. On récupère les petites bouboules. Tiens! Vous voyez les illustrations de Grove, elles sont... Elles sont sublimes. Même celle de Sohara, j'ai pas vu. J'ai vu un peu vite fait celle de Vazrock aussi, parce que le truc de Twitter, il recrute tous les groupes. Mais toutes les nouvelles illustrations, elles sont magnifiques, mais gros, ils sont... Au bout du. Alors attends, je vais aller voir... Mets le lien dans le chat, comme ça sera plus simple. J'ai peut-être pas vu ceux des stage actors. Oh mon dieu, mais ça va être incroyable. Carnet. Canyon aride, village perché, vol de nuit, docteur Champ. Oh ce teasing! Oh là là! Oh là là! Ne te couche pas sur le clavier, petit chien, merci. Les tenues sont magnifiques. Les tenues sont magnifiques. Ça va pas être possible. C'est pas possible. On va pas survivre. Qui veut dire qu'on n'a pas fait caverne de glace. Est-ce qu'il y a un truc à faire en caverne de glace? Grotte élevée, fanfaron. Non. Donc grotte de glace, on peut faire ça tranquillou. Pourquoi c'est toujours le moment là que tu choisis pour venir te coucher sur le clavier, Sora? Appuie pas sur le clavier. 26e édition. C'est joli. Lui, il est toujours aussi moche. Parce que c'est un chaton, faire chier, c'est son job. Oui, un peu. Refait? J'ai cru qu'il dabait. Je pense qu'il faisait juste une flex pose, mais j'ai cru qu'il dabait. Refais. Vas-y, je te regarde pas. Non. Encore. Il manque une... Ah, voilà. Donc non, ça va. Il a pas dabé. Tout va bien. Bon, normalement, on fait ça à la fin du niveau, mais... Merde! J'ai le réflexe de Spyro 2 et 3 d'appuyer sur triangle, enfin X, pour y gagner de la hauteur. Dans Spyro 1, ça vous fait chuter directement. Oups! Maintenant, ça ne vaut plus que 2 vies. Je peux lui casser la gueule à Spyro. Je veux ces 3 vies, même si finalement ça va pas valoir le coup. Je veux ces vies, donne-les-moi. Genre il s'est cogné.
Le jeu, il est pas gentil. Là, ça vaut plus le coup. Si j'arrive à choper des vies, ça me fera juste regagner les vies que j'ai perdues. Non mais. Merci. Ok. Alors, option. Attendez, je vais essayer un truc. Option tricher, oui. C'est limite ce que je. J'étais là en mode. Comment je fais? Est-ce que je quitte le jeu sauvagement, genre oups, la Switch elle s'est éteinte ou. Écoutez ce ronron. Bon, il se frotte aussi au micro, mais. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les vies sont réapparues ou pas? Ha! Ha! Pousse ton cul. Oh! Petite chauve-souris. Aussi grand que moi avant de charger ses grands ennemis. Ok. Sparks. Prends. Sparks. Ramasse. Sparks. Bah oui, je vois bien qu'il est là, mais tu veux pas le ramasser. T'as faut tout faire soi-même. Oui, Sparks, il va t'aider à ramasser les gemmes. Non. Il va m'aider à les regarder dans le blanc des yeux, si les gemmes avaient des yeux. Sparks, be like. Je suis pas payé pour ça. Bah oui, c'est normal, t'es une bébé. Cyril, est-ce qu'on peut parler de Natchan? Je suis traumatisée parce que j'ai envie de sauvegarder les images que ma TL Jap retweet. Mais je sais que ça fait pas du bien à Natsume parce que c'est un traumatisme. Mais toute ma TL Jap, elle n'arrête pas de tweeter des photos de Natsume-chan et je. Mais oui, je sais, il est virtuel, mais. J'ai mal pour lui. Je culpabilise. Si, je suis sûre qu'il m'en voudra. Je suis en mode, ah non, c'est interdit. C'est pas, j'ai pas le droit de voir ça. C'est son secret inavouable, il faut pas. Mais. Je. Et puis en plus, la façon dont c'est présenté dans l'épisode, cette mise en scène dramatique, ce mouvement de caméra. Ah! Puis ces petites tresses! Je décède! Bonjour Eva, oui, c'est Pisseron! Oui, c'était ridicule! C'était tellement parfait! C'est le nosebleed interdit. Raté! J'ai gagné une vie dans ce niveau au lieu d'en gagner 4. Ouais.
Endors-toi. C'est pour Firine, endors-toi. Merci de m'avoir libéré. Ah bah, il est pas très causant. J'ai montré... Ah oui, j'ai montré à ma maman. Hier. Qu'on pouvait essayer de voir sous la culotte... Qu'on pouvait essayer de voir la culotte des filles. Des passe-temps impressionnants. Non, je veux dire... Je veux dire... Ah bah oui, non, mais c'est ça, c'est quand t'arrives, ça devient lewd, hein, c'est... Après tout, c'est toi qui as le plus gros pourcentage de lewd. C'est pas moi, c'est pour ça, tu déteins sur moi. C'était en décembre. Bah voilà, Firil aussi a le lewd infini. Donc voilà, c'est pour ça. Non, parce qu'il y avait un truc sur Twitter, c'était ton pourcentage de lewd, enfin de lewd, L-E-W-D, sur Twitter en fonction du mois. Et genre octobre c'était 2% et décembre c'était infini. Du coup j'ai charrié Yva qui joue à GBF et c'est comme ça qu'on s'est connu et tout. Que j'ai dit que du coup ça faisait le Bélial pourcent. Oh, merci de m'avoir libéré, Spiro. Alors, où on était? Et du coup ça m'avait fait rigoler, donc voilà, c'était juste pour ça. Et que moi j'avais 2%. Et que c'est très vrai. C'est très vrai, c'est pas ma faute, c'est de la faute des autres. C'est de la faute à Sora. Bye bye. Non mais Sora, tes acrobaties. Voici, faites des acrobaties. Des acrobaties, c'est pas le moment. Pas quand il y a plein de filles qui traînent. Merci. Bisous. Au revoir. Est-ce que les acropassies, c'est quand t'es accro à la vie à passie? Fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que vous sentez la fatigue et la détresse dans ma voix? Non, on touche pas le dragon. Non, je ne tuerai pas les chauves-souris pour un papillon. Pas touche au baby. Ouais, si. J'ai essayé, ça m'a pris tout. En fait, au lieu de gagner des vies bonus, ça m'a juste rendu mon nombre de points de vie parce que. Alors, le premier essai, j'ai failli y arriver, mais j'étais trop bas. Donc du coup, par réflexe de Spyro 2 et 3, j'ai appuyé sur triangle, même si je suis sur Switch et qu'il n'y a pas de triangle. Et du coup, je suis tombée dans le vide, parce que dans Spyro 1, il n'y a pas l'effet papillon. Ta gueule. Le deuxième essai, j'ai eu le problème des plateformes trop basses du niveau Spyro, où tu prends mal les trucs et du coup, tu tombes, tu meurs. Et le troisième essai, magiquement, Spyro s'est cogné dans le décor, je ne sais pas comment, mais c'était très étrange. Et du coup, au quatrième essai, ben, j'ai récupéré mes trois vies perdues. Voilà. Et du coup, non, elles sont plus là. Ah oui, tu sais pas comment on fait pour y aller. Je vais te montrer. Par contre, j'ai oublié où se trouve la clé. Là, il me manque juste la clé pour le coffre. Réfléchis. Où est-ce que je suis pas allée? J'ai fait ça.
Ah oui, elle est là-bas. Comment je vais là-bas déjà? Je pars du début aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, faut partir du début aussi. Donc en fait, pour aller sur la plateforme avec les trois vies, il faut aller. C'est un truc à faire dès le début au final. Oui, c'est ça. Alors. Hop. Tu pars de là et il faut tourner tout de suite sur ta droite. Tu prends vraiment tout très serré à droite, alors pas trop serré parce que sinon tu te manges le mur. Chose qui n'arrivait pas dans Spyro 1 l'original mais qui arrive dans le remake. Hein. Tu te manges le mur, paf, et t'atterris sur la plateforme qu'on voit sur la map. Et moi du coup, il faut que j'aille sur la plateforme là-bas, mais je sais plus si c'est de là ou si c'est de là qu'on s'envole pour récupérer les joyaux. C'est peut-être de là-bas finalement. Ça me paraît un peu loin d'ici. Ouais, ça me paraît un peu loin. Non, Sora, on n'essaie pas d'attraper Spyro. Alors Sora, il s'est mis pile dans l'angle où il y a Spyro, ce qui fait qu'au lieu de voir Spyro, j'ai une tête de chat. Oui, il essaie d'attraper Spyro et ou Sparx. Voilà. Donc maintenant, on est reparti pour un petit tour. Zoom, zoom, zoom. Oi. Oi. Et est-ce qu'on a tout? Oui. Très bien. On se casse. Et je crois que j'ai fini le monde des Pacifiques. Non. On garde la papatte près de soi, on la met pas sur l'écran. Carnet. Normalement, j'ai tout. Donc là, il y a des grottes enneigées ou glacées, je sais plus. Le village perché. J'ai fait le vol de nuit. J'ai fait Canyon Aride, on est d'accord? Oups. Oui. Je pense que j'ai tout fait. Là, c'est Docteur Shemp. Là-bas, il y a le vol de nuit, donc on est bon. Je n'arrive pas à croire que tu aies retrouvé si vite autant de trèfles. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Monte, Spyro.
À chaque fois, j'oublie quel est ce monde et à chaque fois, quand je m'en rappelle, je fais oh non! T'es en vacances! Mais attention, est-ce que c'est des vraies vacances ou c'est des vacances japonaises? Est-ce que tu vas enfin pouvoir te reposer ou on va quand même t'appeler pour travailler, hein? Et ça va, t'as pas eu trop de répercussions avec le typhon qu'il y a eu à Tokyo? Vous avez pas eu trop de soucis Ah oui, c'est ce monde-là! Il y a des niveaux que j'aime bien, des niveaux que j'aime pour. Normalement, à part le 14. Tokyo, c'est loin. Bon, c'est bien alors si vous avez rien eu. Pour une fois, ça change un peu. Oui, l'eau! Merci Sora, je voyais pas. Je croyais que c'était de la glace. Et non. Non mais j'ai une excuse, j'ai un chat qui prend toute la place devant l'écran. J'aime bien la gueule qu'ils ont, ils sont bien moches. Voilà. C'est comme ça qu'on les enchaîne. Non ça va, ce monde-là, je l'aime bien. C'est celui d'après, là, dans les marécages dégueulasses avec les plateformes électriques qui me saoulent. Salut Darty. Chez les ouvriers magiques, Jolie corne. il faut que tu libères les dragons, retrouve nos trésors et reprenne les œufs à ces satanés voleurs bleus. Il a de jolies cornes. Les deux gemmes à ne pas oublier. Non, Sora. Non, non. Garde tes papas de près de toi. Oh zut, je voulais monter avec lui. Mais je veux monter avec lui. T'as fini? Encore? Il commence à lui atterrir dessus. Il est en caleçon sous sa robe. On va dire que c'est un short, hein. Il a un petit bandana. Alors c'est ça, gros débat. Sous-vêtements ou short pour ce mage. Ouah, non. Saloperie. Ah, mais j'ai du mal à tourner des fois avec... Faut vraiment que je fasse les poursuites au D-pad parce que avec le joystick, je trouve que Spyro, il répond pas bien. Oh! Franchement, sous-vêtements, ça resterait dans le thème du jeu. Ce serait étrange que tout d'un coup, les gens portent des shorts dans ce jeu. Franchement. Et mange ton cul! Faut que je parte de plus haut. Oh bah ils ont pas repop, je peux pas faire oi 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 oi. Haha, je t'ai eu quand même. Je vais y arriver. Oui, Spyro. Spyro, please. Spyro. Merci. Ouch.
Donc on en était là. Oui, il y a une grotte cachée. Hé, Lulu! Comment ça va, BG? Tu es au boulot, mais tu passes juste un bise. Pas de soucis. Bah, bon courage pour le taf. J'espère que t'as bientôt fini. Ah oui, c'est vrai, il faut la clé. Donc, il faut la clé pour le coffre, là. Et je n'ai pas encore la clé. Merci. Je vais d'abord clear le monde avant de me lancer dans les niveaux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc à faire? Non, c'est grotte élevée et fanfaron qu'il y a ici. Et c'est tout. Tu vois des flèches comme celle-ci. Tu peux charger sur elles pour déclencher une supercharge. Une supercharge? Excellent! Vas-y, essaie! C'est trop stylé avec les petites cartes. Vraiment, c'est chouette qu'ils aient donné plus de personnalité aux dragons, même si des fois les dragons sont juste là pour dire merci de m'avoir libéré. Ou des fois donner des tutos. C'est cool qu'ils aient mis plus de personnalité dans les dragons. Ah zut, j'ai raté le truc. Salut Adrien. Chérie. Portail, mène à un endroit spécial où tu peux apprendre à voler. Oh, je me souviens quand j'étais un jeune dragon qui testait ses ailes. Apprendre à voler, ok. Oh, trop bien, j'ai hâte de les voir en pyjama. Ah! J'utilise le D-pad. Voilà. Eux, ils sont trop choux. C'est mes préférés. Parce qu'ils me rappellent Vivi dans FF9. Voilà. Nice. Alors, chaîne alpine. Donc, on a dit c'est fanfaron et grotte élevée. C'est quoi dans grotte élevée qu'il faut faire? Brûle le tableau caché. Ok.
Zoom. T'as mal au crâne? Ouais, bah oui, vaut mieux se reposer alors. Repose-toi bien et j'espère que ton mal de crâne passera. Des bonnes nuits et bisous. Des bisous et bonne nuit. Et puis t'hésites pas à me DM si t'as besoin. Si un jour tu veux que je passe sur Discord, comme je pense jamais à l'allumer. Si tu veux qu'on se fasse du Diablo à l'occasion. Même si je sais que t'as... Remarque, on pourrait faire aussi du co-op sur Switch. Pas forcément sur le PC. Ton mal de crâne dure depuis un mois. Ah bah c'est bien. Je connais ça. Puis après t'as les neurologues qui te disent « Non, c'est pas possible !» Tu n'as pas peur de ces gigantesques animaux affreux, hein ? Bien sûr que non. Oh, parfait. J'en étais sûr. Des bisous, ouais. Repose-toi bien. Putain, c'est fou comme il faut... comme les sauts sont vachement plus durs sur la version remaster que... sur la version d'origine. Oh, j'ai pas hâte d'arriver à Nasty. L'autre qui continue à se marrer. J'aime bien parce que Fieril a écrit Smoosh et du coup ça me fait penser à Would you smoosh a ghost? Yes! J'ai tout bien ramassé. Would you smoosh a ghost? Heck yeah! Wouh! C'était juste, hein? J'ai terriblement faim. Une catastrophe. Bon, en même temps, j'ai pas super bien mangé ce midi. C'est un peu ma faute. Mais ça attendra. On est là pour jouer, on n'est pas là pour manger. Sinon, je ferai des streams ASMR bouffe. Ce serait dégueulasse parce que vous entendriez faire. Merci de m'avoir libéré. Il est trop cool! Il était trop cool ce dragon, même si c'était pour dire une seule phrase, il était trop classe. Oh ! Non, je me laisse pas mourir de faim non plus. Là, c'est le début du mois, j'ai pu faire des grosses courses, donc j'ai à manger, c'est juste que j'ai eu la flemme de faire à cuisiner ce midi, mais ce soir j'essaierai de me cuisiner un truc. Mais c'est compliqué la vie
personne avec une dépression et des migraines. Si je peux caler juste un mot là-dessus et pas trop en parler comme ça. Je ramène pas mes problèmes dans les jeux vidéo. Hein. On est là pour penser à autre chose, pas pour se lamenter. Paf! J'aime bien comment ils tombent sur leur cul, c'est rigolo. Zandé. Excellent travail, Spyro. Continue comme ça et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir du monde des ouvriers. Ces ailes, elles sont trop stylées. Kelvin, c'est l'armagnac. N'oublie pas que ces voleurs bleus ont aussi pris des œufs ailleurs que chez les ouvriers magiques. Pas de problème, je m'occupe d'eux. Mais oui, TKT. Alors j'imagine que ce saut va être chiant. Ouh, putain, c'est chaud. Et là, c'est pas passé. Pourtant, ça se joue à rien, mais c'est frustrant comme ces sauts sont beaucoup plus compliqués, je trouve, sur la version remaster que sur la version de base. Et d'après Axor, il avait les mêmes complaintes que moi quand il faisait le jeu sur PS4. Et je pensais que j'étais assez loin. Ça va, ça va. Un peu fatigué, un peu mal à la tête, mais on fait aller. La routine. J'aimerais juste que Sora laisse Nessie manger tranquillement, mais c'est trop demandé. Je vais perdre toutes mes vies là-dessus. Et merci pour les follow. Ce bruit-là aussi, il est dans Rayman. Ok, c'est bon. Allez, viens là. Allez, viens là. Comment ça va être chiant pour faire Niasty parfait. Cours plus vite, Spyro. Ah, cet enchaînement improbable. Cet enchaînement improbable. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Ah, j'ai un cheveu dans l'œil. Ah. Et salut Sabrina. Merci encore pour le follow. Allez, viens la petite... petite racaille. Rends-moi l'œuf. J'appuie sur les mauvais boutons aussi.
Non, non, non. Pas une deuxième fois. Je trouve que les voleurs sont vraiment beaucoup plus chiants à choper que dans le premier. Qu'est-ce que tu veux, petit chat? Maintenant que t'as empêché Nissi de manger, hein, franchement. T'as pas honte. Allez, descends. Pour la peine, t'es puni. Zou. Puni, puni. C'est dans quel jeu, ça, qui est des punis? Ah, c'est dans Mario Paper. Enfin, Paper Mario. Et puni, puni. Mais non, mais pousse-toi, Sora. Oh! Très important de récupérer la petite bille argentée. Donc, dans grotte élevée, il nous faut brûler le tableau caché. J'ai des idées de où est-ce qu'il pourrait éventuellement se trouver. Mais ne dites rien, je le trouverai par moi-même. Je rappelle, hein, pas de spoil dans le chat, pas de backseat. Sauf si je demande de l'aide éventuellement. Dans ce cas-là, vous êtes autorisé. Mais là, non. Vous n'êtes pas autorisé. Et on se couche pas sur le clavier. Qui va comprendre quand ça, hein? Jamais. Oui, Ronron, c'est ça. Je la connais, ton excuse. Aou. Mais appuie pas sur le clavier! Ah! Tu l'as pas trouvé, mon stream va te servir de soluce. Ah! J'espère que je vais le trouver alors. De toute manière, je partirai pas du niveau tant que je l'aurai pas trouvé. Ils ont un caleçon rose. Oh, hop là! Ah mais tu sais, il y a des gens qui sont forts, hein. Des fois ils arrivent sur, une chaîne juste pour spoil un truc, et ils s'en vont. Il y a des gens comme ça. Donc ouais, j'ai pas rêvé, il y a bien des papillons bleus dans Spyro 1 maintenant. Cyrus, dans Octopath Traveler. J'ai quelque chose à propos de ces druides verts. Ils veulent déplacer tout ce qu'ils voient. C'est pas vraiment Octopath Traveler. Loin de là. J'ai souvent oublié ces gemmes quand je jouais à la version PS1. J'oubliais tout le temps de venir ici. J'étais là à chaque fois, je fais putain, mais elles sont où les dernières gemmes? Elles sont où? Je cherchais partout! Puis d'un coup, j'en vois là et je fais ah! Oh, sérieusement? Ça, c'est prise de tête, ça, ces espèces de nouvelles hitbox. Spyro qui glisse. Là, il pouvait passer, hein. Franchement, c'est pénible.
vraiment. Je vais perdre toutes mes vies sur ça. C'est horrible. On peut pas mettre les commandes des jeux en version PS1. Oui, je suis sur la version Switch. Ah, et de 1. Donc je vais attendre qu'il soit par là, ce sera plus simple. Ah oui, bah ça, c'est pas étonnant entre guillemets que ça se voit effectivement. Ah, est-ce que c'est ça? Mais moi je préfère souvent le... Oui, voilà, bah tu vois, il était juste là. je préfère souvent le côté portable au graphisme, donc y a... De toute manière, j'ai pas la PS4 dans tous les cas, donc il y a certains choix, par défaut je dois les prendre sur Switch. Mais mettons, dans le meilleur des mondes, si j'avais la PS4, je l'aurais quand même pris sur Switch, parce que j'aime bien pouvoir me dire que je peux y jouer n'importe où. Donc clairement, oui, je fais partie des gens qui préfèrent le côté portable au côté graphique. Je déteste ces insectes. Ah non, mais il est fou, Robin, ce tableau, mais... Je les écrabouillerai tous. En attendant, n'oublie pas que la supercharge te rend invincible. Mais je suis content, j'ai trouvé le tableau. Oh, ils sont horribles. Petit bisou. Ah zut. Je sais plus, je vais réessayer, mais il me semble que les toutes premières araignées, il faut les choper avec la supercharge parce que la charge de flamme est pas assez longue sinon. Mais oui, elle me fonce dessus. Et à chaque fois, je me dis ça passe, et en fait, pas du tout. Ouais, donc non, pour la dernière, il faut faire le tour. Je me sens tout nu sans Sparks. Je vais juste ramasser ça, de toute manière je suis obligée de repasser par là. Putain, comment il m'a pris par surprise, j'étais pas prêt. Petit mouton, petit mouton, gentil petit mouton. Ça va, Sora, t'es bien là. Et paf! Tu vas faire quoi maintenant? Bon, la zone a l'air plutôt clear. On va pouvoir procéder à la suite. Au départ, quand je commençais à jouer à Spyro 1 et dans mes plus jeunes années, j'essayais de défoncer les araignées avec la supercharge. Et bah c'était pas facile! Quand j'ai trouvé qu'en fait il suffisait juste de faire le tour avec la fée qui vous fait des petits bisous, j'étais là, je fais « Ah bah c'est tout de suite beaucoup plus simple !»
Je veux bien que tu te mettes sur mes bras, mais laisse-moi jouer. Bon, là, c'est pas grave si je tombe dans le trou, parce qu'au moins, on a trois gentilles petites fées qui nous ramènent. Sora, j'arrive pas à appuyer sur le joystick si tu te mets comme ça. Ah, bien, je me suis cognée. Oh, genre. Ah non, mais le jour où j'ai trouvé qu'on pouvait faire le tour, ça a changé ma vie. J'étais là, je fais... Oh, on peut faire le tour. Mais j'avais appuyé sur les ailes. Il n'a pas voulu déployer ses ailes. Là, je l'ai fait trop tôt. Heureusement qu'il l'ait fait. Hein. Heureusement qu'il l'ait fait. On va déjà aller là. Mais oui, mais te frotte pas à la manette, ça sert à rien. Merci, Spyro. Cool. Ah. Ça a pas pris 3 heures comme l'autre. Mais c'est pas évident de tourner avec le joystick, hein. Faut vraiment passer sur le D-pad si on veut être plus efficace. Je sais pas pourquoi Spyro flotte autant. Enfin, j'ai vraiment une sensation de flottement en tout cas quand je joue avec le joystick. C'est très étrange. Yeah! Il y en a que deux? Ah non, la troisième était cachée. Là, aujourd'hui, j'utilise la manette pro, mais je joue aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Je voulais casser le coffre, finalement, j'ai sauvé le dragon. Essaie de combiner la supercharge avec le saut et le vol plané pour explorer toutes les grottes élevées. Mais oui, mais te frotte pas au micro. Des trucs useless, oui. T'as fini. Oui, il fait ronron, il n'arrête pas. Spyro est inspiré de Mario. Ah bon? Comment ça? Parce que physiquement, en tout cas, il y a une sacrée transformation. Dans l'idée de plateforme, dans... Oh, ça va être un peu juste. Ça va être pas... C'est même pas juste du tout. Tout ce qui est mode de déplacement vient tout droit de Super Mario 64. Ah! Non, ouais, non, ça marche pas. Je sais plus de où il faut sauter pour prendre bien le... Je vais essayer du pont. Aïe! Non, trop juste. Je vais y arriver. Si tu me dis Roxane, je pense à quoi? Alors, je pense à mon amie Roxane, je pense à la chanson. Oui, le fait que ce soit le... Je sais plus qui est le batteur, je crois.
de Police qui a fait les musiques du 1, ça c'est sûr. J'ai un doute pour le 2 et le 3. Je suis plus sûre. Là, ça va. Là, je laissais pas assez la charge avant. Le 1, c'est sûr que c'est lui, mais pour le 2 et le 3, effectivement, j'ai un doute. D'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui s'est chargé de remixer les OST. Est-ce qu'on a tout ? Non. Il manque une gemme. Il a fait toutes les musiques jusqu'au 8 Enter the Dragonfly. Ah ! J'appuie sur le joystick de gauche, je reste appuyé dessus et du coup Sparks indique l'endroit où se cache la gemme. Avant il fallait appuyer sur toutes les... Ah oui, elle est juste là. Toutes les gâchettes je crois. C'est bon. Là il est content, il n'y a plus rien. Bien. Après, ce sera juste fanfaron, donc on est tranquille pour les prochains niveaux. Mais ouais, ça aide vachement parce que... qu'est-ce que c'est chiant quand il te manque juste une gemme et que t'es là, tu fais « Non, j'ai tout retourné, je sais pas où elle est !»